Spoštovane, spoštovani, na tej FAO Spoštovane, spoštovane, na tej. Mesdames et Messieurs, la conférence de la FAO met en exergue l'un des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, la rareté de l'eau et l'insécurité hydrologique associée à des événements météorologiques extrêmes représentent les grandes menaces pour la sécurité alimentaire et la stabilité mondiale. Chaque année, la situation est aggravée par les changements climatiques, les cycles. Spoštovane, spoštovane, na tej FAO konferenci izpostavljamo enega največjih izzivov sodobnega. Le monde est confronté aujourd'hui. La rareté de l'eau et l'insécurité hydrologique associées à des événements météorologiques extrêmes représentent sans aucun doute les grandes menaces pour la sécurité alimentaire et la stabilité mondiale. Chaque année, la situation est en outre aggravée par le changement climatique. Les cycles hydrologiques changent, les précipitations sont imprévisibles en termes de quantité et d'intensité et des zones qui étaient vertes deviennent aride pendant la saison de végétation en raison de ressources en eau insuffisantes dans le sol. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes pendant une période de l'année, tandis que pendant une autre période de l'année, il y a des inondations. Même dans les climats tempérés, comme en Slovénie, la production agricole ne peut plus être garantie sans solutions technologiques modernes. Pour trouver des solutions le plus rapidement possible, nous devons utiliser des technologies innovantes pour la conservation et la protection des ressources en eau. Nous devons recycler de façon efficace l'eau de pluie et les eaux usées et accélérer la mise au point de méthodes pour l'utilisation des ressources hydriques non conventionnelles. Nous devons récupérer l'eau et la stocker dans des réservoirs appropriés et trouver des solutions pour reconstituer les nappes phréatiques. Notre défi à tous est de mettre en place une gestion intégrée et efficace de l'eau pour le secteur de l'énergie, l'environnement, l'agriculture et pour le développement rural et urbain. À cet égard, une attention particulière doit être accordée à l'éventuelle pollution de l'eau. La Slovénie n'a pas connu de gros problèmes de fourniture en eau potable jusqu'à récemment. Les changements climatiques, mais également la pollution de l'eau, la consommation de l'eau en augmentation, accroissent l'urgence qu'il y a à prendre des mesures de gestion de l'eau responsable. La Slovénie a un système de gestion intégré des ressources en eau dont la priorité et d'éliminer les conséquences négatives sur l'eau, veiller à la qualité de l'eau propre à la consommation humaine, conserver des écosystèmes naturels et préserver la biodiversité. Nous sommes en train de moderniser notre système d'irrigation et essayons de retenir l'eau pour la fourniture du secteur agricole pendant la saison de végétation. Mesdames et messieurs, le grand enjeu consiste à garantir un approvisionnement en eau potable pour les jeunes générations et les générations futures et pour garantir qu'il y ait suffisamment d'eau pour la sécurité alimentaire de la population. Cela nécessite une approche intégrée, une vision à long terme.